Pénétration dans la surface Pénina. De réparation. Et c'est le premier pénalty. Et c'est le premier pénalty. Guenina qui est rentré, qui a été fauché. Mustapha Hassini pour cette répétition. Voilà, c'est Guenina qui a été fauché par. Il provoque Gherbi. Là, il a eu. Gherbi qui n'est pas. Monsieur Oukil qui demande à Guenina de préparer. Guenina qui démarre. Et c'est un parfait contre-pied. Premier but pour le MC Oran à la 15e minute de jeu. 15 minutes de jeu au stade Zbghari Tahar de Relizan. RC Relizan 0, Mouloudia d'Oran 1. Oui, maintenant je peux vous dire vraiment son avenir en D2. Le MCO qui vient de marquer dans le premier quart d'heure, marquer un deuxième. Les joueurs du MCO avaient intérêt à marquer très tôt et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Encore une fois, une deuxième pénétration. Guenina encore une fois seul face au gardien et c'est le deuxième but. Une minute après, le même Guenina, bien servi par le numéro 55, Tmimi, vient d'inscrire, vient de sortir la tête et de la replonger dans l'eau. Juste une minute après, on sent quand même que atteint moralement. Cette équipe du Rapide de Relizan est atteinte moralement. Que du côté de Relizan, c'est vrai, ça fait de la peine pour cette équipe de Relizan. Mais c'est ça la loi du football, il faut l'accepter. Oui, les jeunes.